une édition évidemment très particulière. Là, on est en train d'effectuer les mercredis du foot fin septembre avec normalement un événement qui aurait dû se dérouler au printemps 2020. C'est important pour nous de permettre quand même aux jeunes de la génération U11 de l'année passée de pouvoir bénéficier de cet événement important. Donc c'est pour ça qu'on accueille aujourd'hui des U12, hein, pour que les U11 de l'année dernière puissent bénéficier de cet événement. C'est vraiment un événement ludique qui nous permet de communiquer sur la philosophie de l'ESTAC, et c'est encore plus vrai aujourd'hui. C'est pour nous toujours un grand plaisir. Bah, on est dans la philosophie des clubs ambassadeurs qui ont été créés il y a 15 ans maintenant. Cet événement des mercredis du foot fait partie de la politique des clubs ambassadeurs au sens large. C'est un événement qui plaît. On a de nombreux partenaires privés et commerciaux qui nous ont rejoints pour accompagner les partenaires institutionnels depuis de nombreuses années. Bon, ça s'est très bien passé, on s'est encouragés et puis on marquait des buts, on attaquait bien, donc c'est principal. On faisait un duel, les défenseurs ils pouvaient marquer comme les attaquants. C'était de l'attaque-défense, on a bien défendu, on a bien attaqué, je suis fière de notre équipe. C'est la première fois que je fais. Bon, je suis la seule fille, mais bon, je suis la meilleure attaqueuse. Attends. Défenseuse, donc je sens que ça va bien se passer. Faire pile ou face. La deuxième, c'était un jeu du hasard, comment, pair ou impair. Et la troisième, c'était Shifumi. C'était amusant. Je pense qu'on a perdu, mais de pas beaucoup de points en tout cas. On n'a pas beaucoup de vitesse, c'est sûr qu'on va pas gagner. Si on a vraiment beaucoup de vitesse, on peut pas gagner. Et c'est surtout qu'il faut encourager notre équipe pour qu'on gagne. Comme moi, on m'a encouragé et puis ça m'a donné de la force. Et puis j'ai réussi à finir deux fois premier de cet exercice. Le coach, il fait quelque chose pour motiver l'équipe. Encouragement. Quand il y a une faute, mais grave. Carton rouge. Quand le coach il convoque les parents, c'est pourquoi? On devait deviner, celui qui devinait en premier, il allait faire la prochaine action qu'il fallait faire. Courir! C'était assez simple, parce qu'on connaît du foot et on connaît à peu près toutes les actions du foot qu'il faut faire. Quoi, comme le tournoi, gardien, passe, tout ça. On connaît tout ça. On s'amuse et on prend du plaisir. Il y a des ateliers, ils sont bien. Il y en a, il faut avoir de la chance. Parce que moi, il y en a, j'ai pas eu de chance du tout. Et après, faut bien jouer. On prend du plaisir et le but, c'est de s'amuser. Les mercredis du foot font partie des nombreuses opérations qui sont soutenues par Trois Champagne Métropole en faveur de l'ESTAC. On peut que se féliciter que l'opération puisse avoir lieu cette année, compte tenu du contexte sanitaire. L'ensemble des clubs présents aujourd'hui, 14 équipes, il me semble, de 8 enfants, ont répondu présents et je trouve que c'est formidable. Côté Trois Champagne Métropole, on ne peut que soutenir les opérations qui permettent de relancer une activité sportive. Celle-ci, c'est un événement particulier, mais c'est juste primordial. Il ne faut pas que les gens soient privés dans ce contexte qui est un peu anxiogène, soient privés de petits bonheurs, de petits plaisirs comme celui-ci. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était important d'être là.